au crépuscule. Les champs encore ensoleillés, c'est le chant de la rivière et l'odeur des oliviers. L'harmonieux tableau de la saison. David est un juif et ses parents sont colons. Papa est dans l'armée, maman l'est aussi. Engagés après leur fac de médecine aujourd'hui. Ils sont tous deux montés en grade pour avoir démantelé la résistance arabe. David est réservé, solitaire. Il se comporte à l'école de manière exemplaire. À la maison, en retrait pour ce qu'il pense. La terre promise est l'objet des divergences. À 17 ans, fils unique mais conscient. Son père et sa mère ont les mains pleines de sang. Qu'ils détruisent des familles pour l'Empire. Qu'ils sont prêts à faire tout un peuple de martyrs. Pourquoi détruire les maisons des Palestiniens? Après tout, cette terre leur appartient. Même pas en rêve, le statut de locataire. Des squatteurs indésirés qui retracent les frontières. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous resterons. Croyez-vous pouvoir étouffer la rébellion? Des millions d'enfants qui jettent la pierre contre des chars et des rangées d'hélicoptères. Papa est un soldat déterminé. C'est un peuple de paria qu'il faut exterminer. Demain, il partira pour le Mossad. Maman derrière lui pour combattre le djihad. La CIA nous a bien renseignés. Dans les caves d'une école, c'est là qu'ils sont cachés. C'est avant l'aube que tous deux partiront. Et violemment savent qu'ils combattront. David impuissant se retire de la maison. Et pas réfléchir en regardant l'horizon. Mes parents sont insensibles et cruels. Demain ils marcheront sur les débris d'une maternelle. Endoctrinés par les politiciens. Ils spolient tout un peuple en rassurant l'Israélien. Non, je peux pas comprendre qu'ils mordent à l'hameçon. Moi-même j'en ai tiré mes propres leçons. Intelligents, je crois qu'ils comprendront. Si je leur explique de manière bonne et bonne, c'est décidé. Il faut que je rentre chez moi, il court. Mais à pied n'y arrivera pas. Il monte dans un bus, 10 personnes tout au plus. Un homme étrange et des enfants qui s'amusent. L'homme se lève et de ses yeux regarde le fond. Il ouvre son manteau et appuie sur le bouton. L'homme se fait exploser. David est mort et ses parents vont continuer. Enfant du destin, enfant de la guerre. Palestine, Israël, Amérique, Afrique, Europe, Asie, Océanie. Enfant du destin.